Depuis sa création en 2013, la grande chorale de la coopérative de Mai a fait des petits. Elle s'associe cette année avec des élèves de Billon pour un grand concert. Des images et du son signés Bruno Livertout et Franco Sourd. Jour de répète pour les choristes de la grande chorale de la Copée. Des choristes qui ont l'art de transformer le rock en chant choral. Ce matador de Mickey 3D passe désormais par toutes les gammes. Un savoir-faire qu'il faut désormais transmettre. Montez comme vous voulez, vous descendez, vous la faites monter, cette mouche-là, vous la descendez. Même jour à Billon, primaires et collégiens vont chanter ensemble pour la première fois. Eux s'attaquent à Philippe Catherine. Dirigé par le chef de chœur de la grande chorale de la Copée, chaque groupe doit chanter sa propre partition. Là, il y a un travail d'écoute, de s'appuyer sur la voix différente des autres pour pouvoir chanter sa voix. Et donc, ouais, donc un travail d'harmonie et tout ça. Donc, ça, c'est ça qui est intéressant, quoi. Qu'est-ce que ça leur apporte? J'espère déjà au moins du plaisir, quoi, déjà ça. Après aussi, peut-être de voir un répertoire pas forcément coutumier du style choral. C'est vrai que chorale, on a de temps en temps un sens un peu péjoratif, quoi. Donc là, en chorale, on peut chanter de tout, et donc même du rock. Et pour coordonner tout ce petit monde, tout le corps enseignant s'y met. En anglais, on travaille les textes et en musique, on s'harmonise. Mon travail, c'est de faire travailler dans le détail l'ensemble des chansons, enfin les 6 chansons, puisqu'il y a du une voix, il y a du deux voix. Donc mon travail, c'est de les préparer finalement au mieux pour les grosses répétitions comme celle-ci, voilà, qui ont lieu une fois par mois à peu près. Bon, puis vous souriez quand même. C'est pas plus professionnel, mais c'est plus travaillé. On est divisé en 2 voix. Et c'est vrai que ça peut être compliqué au début, mais on s'y habitue. Et le rendu est incroyable. Chacun se concentre sur sa propre voix, sur ce qu'il a appris. Et après, si on travaille bien chez nous, ça passe tout seul. Et on n'est plus trop stressé vu qu'on est ensemble. Des élèves qui se préparent pour la scène. En ouverture du festival Voix et Patrimoine, en juin, ou sur la scène de la coopérative de Mai en septembre. Pour certains de ces concerts, les jeunes pousses seront entourées d'une 50aine de choristes rompus à l'exercice du rock en chœur.